Le mal dans le monde ne vient La pas de Dieu, mais de son ennemi, le malin, qui a semé le mal au milieu du bien. À nous les hommes, il nous est impossible de les séparer nettement, mais Dieu à la fin pourra le faire. Voilà ce qu'a dit le pape François ce matin, place Saint-Pierre, avant de réciter la prière de l'Angélus, en commentant la parabole du bon grain et de l'ivraie tirée de l'évangile de ce dimanche. Ici, a expliqué le pape, le Christ met en lumière la patience de Dieu, le propriétaire du champ, par opposition à l'impatience de ses serviteurs qui, comme nous, se hâtent de juger, classer, mettre d'un côté les bons et de l'autre les mauvais. Mais Dieu sait attendre. Il regarde dans le champ de la vie de chaque personne avec patience et miséricorde. Il voit beaucoup mieux que nous la saleté et le mal, mais il voit aussi le germe du bon grain et il attend avec confiance qu'il mûrisse. Dieu est patient. Il sait attendre. C'est grâce à cette patiente espérance de Dieu que l'ivraie elle-même peut devenir du bon grain, a ajouté le pape. À la fin, a-t-il conclu, le juge sera Jésus et il nous jugera avec la même aune que nous aurons utilisée pour les autres.